Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Un gros bisou à tous mes anciens abonnés. Merci d'être là. Merci de me suivre depuis le tout début de ma chaîne. Merci pour votre confiance. Ainsi qu'à tous les nouveaux et les nouvelles. Voilà, donc aujourd'hui on va faire une guidance, bien évidemment. Pas de thème dit particulier, d'accord? On va tout simplement se laisser porter. On va voir les messages à faire parvenir. Voilà. Alors, quel temps fait-il chez vous? Nous, sud-ouest de la France. Je vous dis pas. C'est pluie, pluie des trompes d'eau. Là, c'est le cas de dire, hein. Donc, si vous entendez peut-être un petit peu cogner les volets, même si je les ai calés. Mais voilà, je ne peux pas faire grand-chose de plus. J'espère que ça ne s'entendra pas trop. Voilà, parce qu'il y a le vent, la pluie. Ah, après tout, hein, c'est mars. Hein. Là, on est vraiment... avec des beaux giboulées qui se mettent bien en place. Donc, je rappelle, comme à toutes mes guidances, que cette guidance est d'ordre dit intemporel. Donc, c'est une guidance qui va dans le temps, d'accord? Dans le temps. Ne prenez que si cela vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous ne forcez rien, tout est juste. D'accord? S'il n'y a pas de message pour vous, pendant cette guidance, il y en aura une prochaine fois ou sur une autre chaîne, il n'y a pas de souci avec. Donc, je vais quand même les battre un petit peu. Donc là, j'ai pris plusieurs oracles dits mélangés, ainsi que le tarot. D'accord? J'utilise là uniquement les lames dites majeures du tarot. Il y a beaucoup d'oracles mélangés avec. Voilà, je vais me concentrer. Et je vais prendre donc à la coupe. Voilà, on va voir de quoi les premiers messages sont-ils faits. Alors, vous avez la carte. À la coupe, je vais vous le montrer, bien évidemment, de l'ordre et l'horizon. Donc là, à la coupe, ce que l'on me dit, c'est que il y a une personne, ça c'est sûr, qui est en train de mettre de l'ordre, justement, dans sa vie. Avec le chiffre 9, en haut, pour effectivement, cette personne est en train de clore un cycle. Donc là, ça peut être une personne que vous connaissez, bien évidemment, mais ça peut être aussi pour vous, tout simplement. Hein. C'est peut-être vous qui allez mettre de l'ordre dans votre vie, puisque vous arrivez à un cycle de fin, d'accord? Pour aller vers un renouveau. Là, c'est ce qu'on me dit. Ou bien la personne de votre cœur. Maintenant, je recouvre et on va demander, d'accord? Donc, souvenez-vous des premiers messages, parce que moi, des fois, j'en reçois tellement. C'est un peu compliqué à tout retenir, d'accord? Mais là, c'est déjà une première indication, que ce soit pour vous, la personne de votre cœur, ou bien une personne proche de vous, que vous connaissez. En tout cas, c'est quelqu'un qui met de l'ordre dans sa vie. Des choses qui ne vont plus vont être enlevées pour clore la fin d'un cycle qui l'amènera à il ou elle. Hein, vous adaptez si vous êtes un homme qui a regardé cette vidéo selon vos énergies. Il n'y a pas de souci avec ça. D'accord? Pour, voilà, un meilleur, pour atteindre un meilleur. Bon, ben déjà,
C'est très bien. Allez, s'il vous plaît, mes guides. On va donc regarder hein, les cartes tous et tout ensemble tout à l'heure. Allez. Comme ça, après, on verra donc les messages. Hein. D'accord? Je vais en tirer quand même un peu plus. Comme ça, j'aurai un peu plus de lecture à vous faire parvenir, bien évidemment. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Quelques cartes de plus. Ah, on me dit celle-ci. D'accord, pour le moment, je le pose ici. Ah, ben voilà pourquoi. Pour aller vers un nouveau départ. D'accord? Il y a la carte le départ. L'espace. Ah, ben d'accord. La peine. Oula. La maison Dieu. Oui, ben c'est un bien rapport. Hein. La papesse. Le silence. Pardon. La félicité, la force, et on revient bien évidemment au départ. Donc par rapport à la coupe de tout à l'heure, d'accord, on a dit c'est une personne, mais ça peut être aussi un tirage qui vous est adressé proprement dit, hein, ou à une personne que vous connaissez, qui vit cela, hein, à vous. Voilà, quand on est sur une guidance dite d'ordre général, c'est à vous d'adapter les messages. D'accord? Donc, je répète, on en sait de la coupe de tout à l'heure qu'il y a une personne, ou vous tout simplement, qui est en train de remettre de l'ordre dans sa vie. Ça peut être sur tous les domaines pour le moment. D'accord? Qui est en train de clore un cycle, d'accord, pour aller vers un meilleur, un nouvel dit horizon. Donc là, effectivement, on est face à une personne qui va quitter une maison. Voilà. Avec la carte dit le départ, je ne sais pas, vous le voyez bien, oui. Je vais mieux orienter, attention, voilà, au fur et à mesure que je vais parler la caméra. Voilà, j'essaie de pas faire trop bouger. Hein. Donc là, on est face à une personne, effectivement, qui est en train de mettre en place des choses très importantes, puisque cette personne, il ou elle, à moins que ce soit vous, d'accord, vous adaptez, prépare un départ. Donc, on sait que cette personne va quitter un endroit, une maison. Parce que cette personne est dans la peine. D'accord? Cette personne est dans la peine là où elle se trouve. D'accord? Il y a vraiment des choses qui ne vont plus du tout puisqu'il y a eu une destruction. D'accord? Donc, il est fort possible que cette personne n'était pas seule. On n'est pas seul. D'accord? Quoi qu'il en soit, cette personne est vraiment dit dans la peine. C'est effectivement une personne que vous connaissez, d'accord? Puisqu'avec la papesse et le silence à côté, effectivement, ça renvoie bien donc à l'énergie dite de la papesse, c'est quelque chose qui est tenu secret. D'accord? Donc on peut dire qu'effectivement, vous n'êtes pas au courant. Si ça concerne une personne en particulier, chère à votre cœur, vous n'êtes pas au courant de cela. D'accord, cette personne est plongée dans le silence le plus total. D'accord, vous concernant. À moins, une fois de plus, on vient de me le dire, de vous le redire, à moins que ce ne soit votre histoire. D'accord. Quoi qu'il en soit, rien ne va plus, tout a été détruit. D'accord. Moi, j'en ressens d'autres énergies. Donc, cette personne n'était pas seule. Elle quitte un foyer, une famille, peut-être même un conjoint, une conjointe. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, on sait que vous la connaissez, cette personne.
mais reste plongé dans le silence. D'accord? Avec la carte de la félicité et de la force, effectivement, cette personne est plongée dans le silence car elle souhaite retrouver ses forces, tout simplement, sa paix. Et effectivement, de toute façon, cette personne va bien retrouver, oui, la force. Ça, c'est clair. Et cette personne, vis-à-vis de ce qu'elle vit, ou de ce que vous vivez, hein, si ça vous parle à vous, cette guidance, personnellement, il ou elle a la force de surmonter ce qui est en train de se passer en ce moment. D'accord? Je vais retirer de nouveau des cartes avec celui-ci, hein. Allez, s'il vous plaît. Pour en savoir un petit peu plus. Donc, retenez bien tous les messages. Voyez si ça vibre en vous par rapport à une personne que vous connaissez qui est chère à votre cœur. Ou bien, d'accord, si c'est votre histoire. D'accord, puisque nous sommes sur une guidance dite d'ordre général et que là, je reçois plusieurs messages. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quelques cartes donc avec celui-ci. Ben oui, voilà, il est sorti la carte, le problème. Et la boussole. Effectivement, cette personne fait bien face donc à une destruction par rapport à un foyer ou un lieu où il est. Il ou elle, d'accord, qui ne va plus du tout. Hein. De toute façon, tout s'est détruit là. Hein. Voilà. Il doit faire face effectivement à beaucoup dit de problèmes actuels. Hein. Ben oui. Mais oui. Et avec la boussole, recherche son chemin. On va insister puisque ça parle plutôt bien. À moins que de nouveau ce ne soit pour vous. Hein. D'accord? Il y a le pendu et le chariot. Effectivement, il recherche, il ou elle, son chemin. Mais pour le moment, vis-à-vis de certains obstacles dus à la destruction de l'ancien environnement, on va dire tout simplement comme ça. D'accord? Certaines choses sont bloquées. Du moins l'été, pas pour longtemps. D'accord? Puisqu'avec la carte dite du chariot, on assure bien à cette personne, d'accord, que les choses vont se remettre enfin en route. D'accord? La roue va tourner de son côté. Ou du vôtre, je le répète une fois de plus, si ça parle de votre histoire, d'accord? Il va avoir du mouvement qui va revenir. Même si cette personne se trouvait bloquée pour X raisons, d'accord? Ça, voilà, quand on quitte un lieu ou qu'on quitte un compagnon, une compagne, je vous donne des tas d'exemples que je reçois. Oui, il y a des choses à mettre en place, hein, ça c'est sûr, surtout au niveau dit administratif, hein, qui retardait un petit peu les choses. Allez, il y en a pas mal, et bien c'est parfait, on va continuer. D'accord. Vous voyez, quand je vous disais, de toute façon, c'est qu'un tout petit moment à attendre, mais cette personne, de toute façon, fais bien les recherches qu'il faut. Donc, grâce à ça, avec l'énergie du chariot, les choses vont se remettre à tourner en sa faveur. Puisque cette personne, avec le monde, effectivement, il va avoir une très très belle réouverture pour cette personne. Voilà. D'accord? Puis ensuite, il y a le réveil. La grâce. Le cadeau, de nouveau, vous voyez, ressort à la coupe l'ordre. Donc là, ça certifie vraiment que c'est vraiment une personne qui close un ensemble. Voilà, c'est ça.
et la fin. Alors ben là, c'est certifié, hein. Il y a bien quelque chose de nouveau avec la tour, etc. Donc là, moi, je pense plus que c'est une séparation, hein. Voilà, grâce à cette réouverture, de toute façon, et les choses qu'est en train de vivre cette personne, oui, il le vit, il ou elle, hein, vous adaptez, comme un réveil. Cette personne a pris conscience de d'énormément de choses qui n'allaient plus là où il ou elle se trouvait. Hein. Donc il est en plein réveil et il y a la grâce. Hein. La grâce avec le cadeau. D'accord? Là, c'est une personne qui est dit protégée par l'univers. C'est un cadeau qu'on lui offre. Voilà. Quel que soit le pourquoi cette personne devait quitter ce lieu, si c'était, c'est peut-être possible, moi je ressens depuis tout à l'heure la destruction d'un ancien couple, mais quoi qu'il en soit, cette personne, au contraire, l'accepte maintenant tel un cadeau parce que il ou elle est en train de se rendre compte que là où il était, bon, je vais dire comme ça, hein, ça m'est plus confortable, eh bien, ça ne va plus. Il n'y a plus rien à sauver. C'est la fin. D'accord? C'est pour ça qu'il met de l'ordre. Avec la carte ensemble, ça veut bien dire que ce que je vous avais dit depuis le début de la guidance est confirmé quand je vous ai dit je ne ressens pas cette personne donc seule ou voilà. C'est bien d'un couple dont on parle qui prend fin avec la carte dite de la mort. Voilà, ça a pris fin. Ça a été acté. Là, alors là, c'est une arcane majeure qui n'était pas ressortie dans mes tirages depuis très très pardon, depuis très très longtemps. Et là, quand elle sort, c'est que ça certifie bien ben, la fin d'un couple avec la carte ensemble. Ils ne sont plus il ou elle ensemble, cette personne, mais voilà, elle part. C'est la fin. Voilà. Ben c'est ainsi. Hein. Voilà. Moi, j'ai envie de dire que tout simplement, quand des personnes ne sont plus en harmonie et que cette personne, avec la carte, de toute façon, le 9 clôt un cycle, est arrivée jusqu'au bout de ce que il ou elle, ou bien vous, hein, si c'est votre histoire, a dû vivre. Eh bien là, oui, c'est là, c'est la fin, tout simplement. Voilà. Je vais changer un petit peu. Je vais prendre donc le petit oracle des papillons et des fleurs. Voilà, je ne vais pas la faire très très longue hein, aujourd'hui. Et je suis désolée si je, voilà, hein, je n'en ai pas fait beaucoup cette semaine, mais j'ai eu énormément de choses à faire. Et là, vous voyez, les dimanches. Je me pose quand même pour vous. Ah, je ressens celle-ci. Allez, s'il vous plaît, mes guides. On va voir un peu avec celui-ci, hein. Allez, hop, encore un petit peu s'il vous plaît, mes guides. Donc j'espère que vous avez bien retenu tous les messages, sinon n'hésitez pas à regarder de nouveau la vidéo. Allez, de nouveau, on me dit celle-ci. Je vais continuer quand même un petit peu et voilà, on arrête là, il y en a pas mal, hein. Ah ben oui, il y a la carte dit le mystère, bien évidemment. La confiance. Eh ben voilà, ça parle bien d'un homme. Ou attention, si vous êtes une femme, ben, ça peut parler aussi de toute façon pour vous, sauf que vous avez des énergies plus masculines, on va dire, d'accord? Comme une femme beaucoup plus active, tout simplement. Les obstacles, vous voyez comme quoi, hein, ça revient, hein?
la sécurité, la rencontre, le dénouement. Vous voyez, hein, au niveau énergétique, ça revient bien. Le doute. Et de nouveau, on est renvoyé sur la carte dit du mystère. Vous voyez, c'est ce que je vous disais hein, tout à l'heure. Hein. Là, c'est confirmé. Hein, c'est formidable. Parce que moi, je suis très contente quand quand même ça se confirme bien. Donc, c'est bien d'une personne dont on parle, à moins que je vous l'ai dit, ce soit votre histoire hein, ou l'histoire de quelqu'un de très proche de vous. Hein. Quoi qu'il en soit, c'est bien l'histoire d'une personne. Voilà. Avec la carte des mystères, hein, n'est-ce pas? Ça renvoie à la carte dite de la papesse tout à l'heure, hein, qu'il y a des choses cachées, hein, que vous ne savez pas pour le moment. Donc, vous ne savez pas ce que vit cette personne. Quoi qu'il en soit, on vous dit de faire confiance à cet homme. Ou bien, attention, je vous l'ai dit, vous le prenez ça à titre facultatif, ça peut être parfaitement une femme, hein, d'accord? Aux énergies plus masculines. On vous dit de lui faire confiance malgré certaines choses, comment vous dire, qu'il y a certains petits secrets. On vous confirme que vous pouvez avoir confiance en cette personne, d'accord? Elle est digne de confiance. Voilà. Elle affronte des obstacles de nouveau. Ça renvoie un peu sur, bien évidemment, le pendu, d'accord? Mais aussi la maison Dieu, d'accord? Afin de retrouver sa sécurité intérieure, hein, c'est bien ce qui est sorti tout à l'heure avec les autres oracles aussi, d'accord? Qui a un travail sur soi que cette personne a préféré s'isoler, vous n'êtes absolument pas au courant, donc vous n'avez pas dit de contact dans la matière avec cette personne, d'accord? De toute façon, cette personne va revenir vers vous avec la carte de la rencontre, donc elle va revenir vers vous, cette personne, pour bien évidemment avoir, avec la carte du dénouement, des explications avec vous, donc elle va vous en parler de ce qui s'est passé, bien évidemment. Mais vous, par contre, vous restez un peu dans le doute face à cette personne. Et cette personne-là, ça concerne les deux messages que je reçois, a quand même un peu peur de venir à votre rencontre. Donc, je vais recouvrir celle-ci, d'accord? Parce que bon, on va pas, je ne vais pas vous laisser comme ça hein, sur quelque chose d'inachevé. On va recouvrir hein, le doute parce que là c'est votre autre il ou elle qui doute du fait que voilà un peu peur que vous la prenez plus, d'accord, que vous ne la croyez plus, mais alors qu'on vous confirme bien que là on est face par contre à une personne digne de confiance. Quand elle va revenir, elle va vous expliquer toutes ses prises de décision depuis le début. Donc là, on recouvre le doute, vous voyez, ben voilà, c'est bien confirmé par la carte dite de la pureté. D'accord, c'est un lien, donc, qui peut parfaitement parler aussi au lien d'âme. D'accord, à tout type de lien, mais qui parle aussi au lien d'âme, puisque nous avons la pureté. D'accord? De toute façon, voilà, il y a la pureté, il y a la protection sur ce lien. Il y a le voyage, je vous le montre, hein, mais aussi la colère et la ferveur. Donc là, moi, ce que j'en ressens, c'est que cette personne risque, oui, de ressentir de la colère parce qu'elle va prendre la décision, vous voyez, avec la carte du voyage, de venir vers vous. Donc là, ça indique qu'il y a une distance dite géographique aussi entre vous. Mais cette personne risque de se mettre un petit peu en colère face à vos doutes ou que vous le mettez à il ou elle en doute en sachant que là, c'est une personne sincère qui revient vers vous. D'accord? Donc, ça va le piquer ou la piquer. Et surtout qu'apparemment, là,
que vous soyez un lien d'âme ou pas, pour les liens d'âme, il y a la protection, donc c'est bien votre autre qui revient, il ou elle, ou selon vos énergies. Mais il y a aussi, pour ceux qui ne sont pas en lien d'âme, là, on est sur, on va dire, si je peux dire ainsi, des retrouvailles pour tous de destinée. D'accord? Voilà. Cette personne va mettre toute sa ferveur, bien évidemment, pour, comment vous dire, pour vous prouver, il ou elle, l'amour. Moi, ce que j'entends, l'amour qu'il a pour vous. Il va, il ou elle, prendre le temps, quelle que soit votre décision. Voilà, s'il faut que ça prenne du temps pour vous reconquérir, on va dire tout simplement comme ça, cette personne va y mettre tout son cœur. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Pour vous prouver que vous pouvez maintenant avoir confiance en lui ou en elle. D'accord? Donc ça, c'est quand même très beau. Et apparemment, eh ben, voilà, avec le dos de deck dit de la réalisation. Réalisation pour toutes les personnes. Bien évidemment, vous êtes libre, entre guillemets, puisque là, on est bien pour des liens d'âme ou pas. Il y a retour d'une personne, d'accord, qui vous est destinée, tout simplement, d'accord? Et quel que soit le temps que ça va prendre, hein, ou que vous allez laisser à l'autre, de toute façon, il y aura bien la réalisation avec le dos de deck, hein, d'accord, de ce couple qui doit se former dans la matière, d'accord? Eh bien, écoutez, on en reste là aujourd'hui pour cette guidance. Je trouve cela magnifique, magnifique, parce que cette personne, comme on l'a vu en tout début de la vidéo, d'accord, réécoutez si besoin, suite à ce que il ou elle a vécu, ça lui aura permis, voilà, de se réaliser, ça lui aura permis d'ouvrir les yeux, mais pas que, d'ouvrir son cœur. Et de prendre conscience de l'amour qu'il a pour vous. Il ou elle, ou selon vos énergies, il n'y a pas de souci. Eh bien, écoutez, moi, je trouve cela, et d'après ce que je ressens là, c'est magnifique. Voilà, c'est magnifique, c'est tout ce que j'ai à dire. Une belle victoire de l'amour, tout simplement. Moi, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous souhaite donc un bon dimanche, une bonne journée. Ou une bonne soirée, voilà, je ne sais pas quand vous aurez accès à cette vidéo. Et on se retrouve de toute façon, oui, bientôt. Allez, bisous à tous. À bientôt.